L'adolescence, c'est le moment où on commence à découvrir vraiment la vie que nos parents ont prévue pour nous. Imaginez qu'on force un adulte à monter dans une voiture, qu'on l'éloigne de chez lui et de ses copains sans lui demander son avis. Moi, j'appelle ça un rapt. Eux, un déménagement. Les parents nous apprennent que les promesses, c'est sacré, que la famille est ce qu'il y a de plus important et que l'amour, c'est pour toute la vie. Puis après, ils oublient tout ça. Leur plus grand mensonge, c'est sur l'adolescence. Ils te retirent tous les avantages de l'enfance, mais ils t'en donnent aucun des adultes. Bon, bah, on est arrivé. Bienvenue dans notre nouvelle vie. Dis-moi que c'est pas ici. Dis-moi s'il te plaît que t'as pas acheté ça. Il faudra faire quelques petits travaux, mais... Oui, les travaux d'une boule de démolition. Arrête, n'exagère pas. Le bar a beaucoup de possibilités, il est dans un quartier vraiment bien. Si, si. Et l'appartement est énorme. Madame Liberté ? Oui, oui, c'est moi. Vous êtes en retard. Excusez-moi. Je suis venu vous apporter les clés. Ah oui, merci beaucoup. Ah, et il y a une livraison qui est arrivée ce matin. Un cadeau d'un certain Emilio Molina. Papa ! Sur deux roues, la vie est plus jolie. À très bientôt. Une fois de plus, je vais être la méchante du film. Val, Madrid, ce n'est pas un village. Conduire ici, c'est de la folie. Tu ne peux pas non plus me priver de ça, Mara. Comment ça, Mara? Moi, je ne t'ai privé de rien. Hein. De rien? Tu m'as éloignée de la maison, de papa, écoute, de ma famille. Ton père s'est éloigné tout seul. Bon, pas vraiment tout seul. Et mes copains, quoi? Tu m'as sorti du bahut au milieu de l'année. Tu me traînes jusqu'à Madrid, mais y du tien. Si jamais je te vois sans casque, il n'y a plus de scooter. T'inquiète, j'ai rien de cassé. Ce serait dommage de te casser quelque chose de premier jour, non? Ok, merci pour l'accueil. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non, merci. Attends une seconde! La salle 4, elle est où? À ta droite. Bonjour tout le monde. Si seulement je pouvais te dire en personne ce que j'écris sur ce blog, puisque de cette manière, mon secret n'en serait plus un. Je t'aime, cœur écarlate. Eh ben, on va bien se marrer quand on saura que c'est un mec d'ici qui écrit ce blog. Excusez-moi. Un mec, c'est trop mignon. Excusez-moi, les filles. Quoi? T'es assise sur mon scooter.
Ouais, mais ici, c'est ma place de parking. Je savais pas que les places étaient attribuées. Pas de soucis, ça se voit qu'il y a pas beaucoup de choses que tu sais pas. Entre autres, que les salopettes, c'est démodé. Tiens-moi ça. Et cette chemise à carreaux? Alors, on a l'air d'une fermière? Je sais pas, en tout cas, t'as l'air d'une vache. Quoi? T'as dit quoi? Pour qui tu te prends? Répète un peu pour voir. Allez, vas-y, répète, là. Commence. Allez, arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans mon bureau, vous deux. Ils vont me virer? J'ai promis au proviseur que ça n'arrivera plus. Mais t'es bonne pour l'éducateur. C'est quoi l'éducateur? Écoute, tu viens de vivre une année compliquée. Le divorce, le déménagement, le changement de lycée en pleine année scolaire, ça te fera du bien d'en parler à quelqu'un. C'est comme un psychologue? Mais non, voyons, ce n'est pas un psychologue. Mais après les cours, il y a un groupe de soutien avec des ados de ton âge. Ça fonctionne très bien. Pas question. Je raconterai mes trucs perso à personne. Tu peux te faire des copains, Andouille. Des copains contestataires qui se battent avec les autres? Ils ne sont pas contestataires, il y a de tout. Bah ça me rassure, c'est ce que tu veux? Et toi, tu veux le scooter? C'est un cadeau de papa. Tu le vois par ici, ton papa? Valéria, c'est ça? Oui, mais c'est que... Viens. Assieds-toi. Il s'agit d'une erreur, je devrais pas être ici. Ouais, comme tout le monde. Ellie, les pieds. Dis, Martin, t'es vraiment mignon aujourd'hui. Tu t'appelles Valéria Molina, c'est ça? Oui, mais j'imagine que vous avez vos problèmes et vos histoires et ça n'a aucun sens que je reste ici sans parler de rien. Tu t'es battue avec une camarade? Je me suis pas battue. C'était pas une camarade et j'ai rien à raconter. Dis-moi, Valéria, t'es une fausse blonde ou une vraie brune? Bonjour. Bonsoir. Bon, on va faire un jeu. Valéria, tu commences. Choisis un camarade, lance-lui la balle et définis-le avec un adjectif. Mais j'en connais pas un. Encore mieux. On va parler aujourd'hui des préjugés. Ensuite, cette personne dira quelque chose de toi. Quand tu voudras. Aimable. Paumé. Allez, Raoul, c'est à toi. Choisis un camarade. Mauviette. Glandeur. Silencieuse. Non, 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 non. D'abord, tu dois dire quelque chose de lui. Victime. Ben, je sais pas pourquoi vous pensez que je suis une victime, parce que moi, je crois pas. Première de la classe. Inconnue. Je voudrais pas l'offenser. Oh, qu'est-ce que t'es mignonne. Mais t'inquiète pas, Ellie est forte. En plus, les préjugés ne sont pas toujours vrais. C'est vrai? Vas-y. Petite garce. Frigide. Pour qui tu te prends? Et toi? Les filles, ça suffit. Elisabeth, maintenant, essaie de dire quelque chose de positif d'un camarade, si c'est possible. D'accord, allez. Courageuse. Il était temps que quelqu'un ose affronter cette débile de Béatrice. Attends, pardon, c'est toi qui as frappé ma copine? Ta copine? Écoute, j'ai frappé personne. D'accord, change paumé par agressive. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Je suis pas agressive. Ta copine est trop nulle. Qu'est-ce que tu fais? Bah, elle a raison. Cette nana n'est rien d'autre qu'une bouffonne qui n'arrête pas de merder tout le monde. C'est toi qui dis ça, hein? Ouais, t'as un problème? Mais moi, je suis pas venue ici pour qu'on m'insulte. Bon, je pense qu'il vaut mieux en rester là pour aujourd'hui. Allez, va faire un tour chez le coiffeur. Je t'explique, c'est pas toujours comme ça. Il y a des fois, personne crie. C'est ce qui arrive quand on s'enferme avec cette bande. Mais toi, on dirait que t'es différente. Tu peux me foutre la paix? Tu vois, ce lycée est divisé. Il y a la bande des super chiants et il y a les gens spéciaux. J'ai un don pour voir ces choses-là. Et toi, t'es spéciale, chérie. Et comment on fait pour les différencier? Trop facile. Moi, je suis spéciale, toi, t'es spéciale. Pas les autres. Tu recommences? Il y a des choses que les gens doivent savoir. Je suis d'accord. Bah, quand t'auras fini, tu me passeras le spray. J'ai des choses à dire sur ton micro-pénis. Tire-toi. Ton ex? Moi, j'ai pas de mec. Quand je me fatigue, je les largue et je passe au suivant. Certains me prennent moins bien que d'autres. Et qu'est-ce que tu fais? Épouvanter les prétendants. Adma?
Il est beau. Il va également voir l'éducateur. Maman. Et la réunion? La réunion? Vraiment normale. Bonne ambiance, à vrai dire. T'es sérieuse? S'il y en a d'autres comme lui, je suis partante. Déconne pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas la seule qui doit refaire sa vie. Tu pourrais être sa grand-mère. Non! Non, 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 non! Pardon, pardon, pardon! Non, 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 non! Je ne recommencerai plus, je te le promets! Tu vas voir! Non! Non, non, je regrette, je te le jure! Non, non, non! S'il te plaît, non! Je te fais pas! Constanza. Bar Constanza. Le nom d'un bar est vraiment important. J'ai besoin que tu me dises que tu aimes. Non, non, non. Que tu aimes, non. Que tu kiffes grave. Hein? Je kiffe grave. Et que tout ira bien. Tout ira bien. Et qu'on a bien fait de changer de maison. Maman. S'il te plaît, je sais ce que tu en penses, mais mens-moi. Il faut que je l'entende. Tout ira super bien. Au moins pour toi. Bon, je lui donne 5 minutes de plus, hein. S'il n'arrive pas, je me barre. Parce que j'ai un plan. Et quand je dis un plan, ça veut dire... On a très bien compris, merci. Pas de quoi. Hé, hey, toi. Tu joues? Toi, pauvre type. Tu joues? Moi? Alors voyons. Je suis peut-être un glandeur, mais je suis pas comme Ray qui charrie à fond. Bon, en fait, ses potes se foutent jamais de lui. Il le frappe, pas vrai? Non, en fait, il me frappe pas. Ouais, tu peux te mentir à toi-même, oui, mais à nous? Tous les gens du lycée savent bien la façon dont ces connards te traitent. C'est ma bande de potes. On se fait quelques bonnes blagues. Bonnes blagues. Et alors, pourquoi est-ce que t'es ici? Bonjour. Pourquoi t'es là? Parce que mes parents exagèrent toujours un peu et... Mais ouais. Et toi? Hein? Pourquoi t'es ici? Eh bien, parce que mes parents n'exagèrent pas toujours. Bon alors, garçon contre fille, ça vous va? Bon, d'accord. Il y a un nouveau poste de « J'ai un secret ». J'ai un secret. Encore un? Oui, c'est un blog anonyme, écrit par quelqu'un du bahut. Un truc d'une ringardise qui rend tout le monde fou. Moi, je meurs d'envie de savoir qui c'est, et qui est ce carré carla dont il est amoureux. Tu joues? Passe la balle. J'aimerais bien, mais comme il n'arrive pas, je renferme mes devoirs. Bon, mais tu peux faire tes devoirs après et jouer avec nous maintenant. Non, j'ai entraînement de voler, et après j'ai mon cours de violon. Allez, cours! Oui. Si j'avais autant d'activités, mes parents seraient vraiment heureux. Je vais pas toucher. Tu vois, pour les miens, tout ça, c'est peu de choses. Allez! Hé, toi! Tu viens ou tu viens pas? Allez! Tu la veux? Tu la veux? Allez, vas-y! Ouais! Merci bien. Vous êtes des tricheuses. Qui, nous? Oui. C'est des mecs, ils ont ça dans le sang. D'abord, ils baffent pour qu'on joue avec eux. Et puis quoi encore? C'est vous, quand vous attaquez, vous faites toujours plus de pas qu'il faudrait. Putain, quel culot. Pas vrai?
Hé, toi ! Je sais pas, j'ai jamais joué avec des filles, je sais pas. Hé, réveille-toi, abruti. On est en train de parler d'autre chose, là. D'accord ? Ah. C'est pas possible. Raoul, je suis paumé. C'est exactement pour ça que je veux pas avoir de mec. Ouais, parce que tu joues avec des petites équipes. Comment ? Bah si tu joues en régional, personne te traitera comme tu le mérites. Qu'est-ce que t'en penses, Valeria ? Ouais, toi, vu que t'es de la ligue anti-mec. Hé, Raoul, on parle bien de ça, non ? Mais ouais, putain. Je sais pas, pour l'instant, je suis plutôt sur la touche, je regarde l'amour depuis le banc des remplaçants. Et alors, qu'est-ce que t'attends ? Ben, j'attends qu'apparaisse la personne parfaite. Celle qui, quand je serai à ses côtés, me donnera envie de jouer le reste de ma vie. Et sinon, bah, qui m'incitera à m'entraîner pour la revoir. Incroyable. T'es sérieuse, là ? Allez, on se tire. Bon, si je le trouve, je t'appelle, d'accord ? Allez. Hey, toi, c'est le sac à main de Marc. Te voir dans le métro, c'est sûr, ça se remarque. Est-ce que t'es au chômage ? J'en fais pas un fromage. Bienvenue à un show d'enfer ! Hey, mon frère au fil de fer, tu m'écoutes, hein, frangin ? Ne lui lâche pas la main, surtout pas avant demain. L'amour, c'est très humain, la haine, c'est inhumain. Hey, tu me prêtes ton sourire une seconde ? Je l'offre à ta super copine et je la dévergonde. Mais pardon, je vous laisse. Le rap est toujours en liesse. Salut. Tu t'en vas ? Ça marche pas, on dirait, hein ? Un petit coup de main ? Non. Alors, une caisse pour la musique ? Désolée, je vais devoir acheter un autre billet et j'ai pas d'argent. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fais ? T'es malade ? T'es arrivé. Mais je sais même pas si c'est ma ligne. C'est vraiment belle. Aujourd'hui, on va parler des choses dont on a peur. Ça vous va ? Et ne me dites pas les araignées, je vous connais. Esther ? Les araignées. Bon, allez, sérieusement. Être calé. Grossir. Perdre au Need for Speed Rivals. Perdre au Call of Duty. Tomber en public. Quoi ? Je suis maladroite. Eh ben moi, j'ai peur de rien. Ouais, c'est ça. Ça, c'est impossible. Moi, j'ai peur d'avoir un zéro. Décevoir mes parents. C'est assez courant. Moi aussi, ça m'arrive. Ils te mettent beaucoup de pression. Suffisamment pour avoir des crises d'angoisse. C'est pour ça que je suis ici. Ben, moi, j'ai peur de vouloir un petit ami dans quelques années et que ça marche pas. Tu as peur de ne pas rencontrer le garçon parfait ? J'ai peur de ne pas être aimée. Raoul ? Ben moi, ma plus grande peur, c'est... C'est que le lycée ne finisse jamais. Que quelqu'un me connaisse vraiment. Parce que peut-être que je plairai pas. Je préfère être bizarre plutôt que monstrueuse. J'avais peur que Madrid me plaise.
Et ça commence à me plaire vachement. Mais surtout, j'avais peur de pas avoir de nouveaux copains. Mais je crois que ça va pas être un problème. Raoul, tu y as pensé ? Oui. Les araignées. Ça va ? Tu vas bien ? Salut. T'étais où ? Bruno ! Qu'est-ce que t'as ? Tu veux plus de mon pote ou quoi ? Non, c'est que je peux pas. Ah non ? Qu'est-ce qu'il y a là ? J'ai rendez-vous chez l'endocrine. Et ça c'est quoi ? La pire excuse du monde pour qu'on me pète pas la gueule. Reste un peu. Et ce petit sac à dos si mignon. Ça là. Fait longtemps que je l'ai. Hein ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que t'as, bouffon ? Hein ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Vas-y, raconte là. Qu'est-ce que ta maman t'a préparé là ? Jambon ou fromage ? Hein ? Sandwich au jambon, sûr. Oui. Regarde un peu là. Mais t'as fait un peu ton t-shirt, mec. Allez, Bruno, qu'est-ce allez, que tu fous ? La tête. Mets-toi à genoux, couche-toi, allez. Foutez-lui la paix ! C'est rien du tout, Valéria. C'est des bons potes, c'est tout. Et celle-là, c'est qui ? C'est ta meuf ? Comment ça va ? Tu veux jouer avec nous ? Touche-moi un cheveu et tu verras, imbécile. Oui. Qu'est-ce que tu dis, la puce ? Je ferai quoi exactement ? Allez, laisse tomber. Raoul, t'es cinglé de défendre ces deux-là ! Ferme-la. Et Raoul, tu me parles pas comme ça, je suis ta copine. Non, c'est fini. Quoi ? Ben, tu l'es plus. J'en ai marre. Salut. Hé, qu'est-ce que t'as, mon gars ? Vas-y, écoute-moi, là. Casse-toi avant de te retrouver seul. Ben non, il est pas seul. Eh ben ? Si tu veux les cogner, tu devras me casser la gueule d'abord. Et la mienne. Et la mienne aussi. J'ai de nouveaux copains. Un peu Zarbi, mais bon. Non, pas Zarbi. On est des incompris. On sera le club des incompris. Le club des incompris, c'est nous ! Je pense qu'on devrait fêter ça. Ma mère inaugure son bar, si vous voulez, vous êtes invités. Que ça, oui ! Mine de rien, je crois que ça va être le plus beau jour de ma vie. Tu peux compter sur moi, Valéria. Moi aussi, je peux. On se voit au lycée, d'accord ? Non. Attends, Mary, on est un club. Ben, c'est que j'aime pas trop les fêtes. À lundi, d'accord ? Mary ! Je m'en occupe. Il est où ton bar ? Tout près d'ici, à 20 minutes à peu près. Mary ! Allez, viens là. Fais voir. Attends, on me voit pas. Ah, je tombe. Souriez ! Vas-y. Bon, j'arrive. Monte. Elle est bien ? Ouais. Ah, super. Maman, le bar marchait ouais, bien ? Ma fille qui sourit et qui est aimable avec sa mère. Parce que je vois, les réunions avec l'éducateur marchent bien aussi. D'accord, je reconnais. Peut-être que Madrid, c'est pas si mal. Et donc, Madrid, c'est pas si mal, hein ? Tu veux que je t'aide ? Viens ici, allez. Viens ici. Je finirai par détester ce bar. À cause de lui, ce câlin ne durera pas pour toujours. Raoul ? Oui. Valéria m'a beaucoup parlé de toi. Il est plus beau en personne. Tu veux que je te montre un truc sympa ? Bien sûr.
Quand les beaux jours arriveront, ma mère veut ouvrir une terrasse. Regarde le ciel. À quoi tu penses ? Quand j'étais petit, mon père m'emmenait à la pêche. Et à la tombée de la nuit, il me racontait des histoires sur les constellations. Toutes les étoiles ont des souvenirs. Et l'une d'entre elles te rappelle Béatrice ? Non. Béa a été une étoile filante. Et le nom de cette étoile qui brille tant ? Laquelle ? Celle-là. Celle-là, c'est pas une étoile. C'est Jupiter. Salut, on a apporté à boire. Waouh ! T'as vu ça ? D'ici, on doit avoir ma maison. Ah ouais ? Oui. Ah, c'est pour toi. C'est merci. Génial. Hey Val, viens par ici. Samedi, 22h, place Santa Ana. Grosse fête universitaire! Bon, comptez pas sur moi. Mary, assieds-toi, faut qu'on y aille tous. Je déteste les fêtes, je déteste les étudiants et les cartes d'identité fausses. Ah, viens là, en dessous de ses fringues et derrière ses lunettes, je suis sûre qu'il y a une fritarde. Non? Et voilà, avec tout ça, ce sera top. Ellie, écoute, je sais pas quoi me mettre. À Madrid, tout le monde s'habille très chouette. Et moi, regarde, ouais. Je vous apporter ça. On va voir si vous aimez. Valéria, tout ce que tu veux, tu me le donnes. Merci beaucoup. Merci, maman. Hein? Cette robe ne va pas. Mais si, mais elle non va. Mais si, je t'aime. T'es canon, tu sais. Dépêche-toi, on va être en retard. Mais non, faut se faire désirer, t'inquiète pas. Mon décolleté, il est comment? On remarque rien. T'es sérieuse? Toi, t'as flashé sur quelqu'un, c'est pour ça qu'on va à cette fête. Il est plus âgé que nous? Non, il a notre âge. Et oui, il va aller à la fête. Il est du lycée, je le connais. Bien sûr que tu le connais. Tu t'es vraiment pas rendu compte? Mais c'est Raoul! Tu crois pas que ce serait le meilleur petit copain du monde? Je vais y aller à fond avec lui, à partir de demain, je serai une autre Ellie. Bien plus sérieuse, plus formelle, plus stable. Bref, j'aurai un mec, hein? Mais t'es super mignonne. Ah, tu vois qu'elle est super belle. Shine love to the sky, 'cause we got the fire. Yeah, we got the fire.
répond « Bah, je m'en vais à Barcelone. » Et ma mère lui répond « Bah, vas-y. » Et mon père lui répond « Je pars vraiment, hein. » Et ma mère lui répond « Bah, tire-toi alors. » Et c'est ça tous les jours. Une ambiance pourrie. En fait, les relations, c'est la merde. Quoi, j'en fais pas trop, non? Je voudrais pas les payer. Non, ça va. Ellie, je dois te dire quelque chose. Ok, ben tu me le diras après. Tu pourrais pas rejoindre les autres et nous apporter un verre? Ah. Je suis pas une serveuse. Ouais, je sais, mais t'es ma copine. Et j'aimerais bien que tu me laisses seule avec lui un instant, d'accord? T'arrêtes pas de fuir, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? J'ai pas l'habitude de raconter ma vie à des mecs qui s'incrustent dans les fêtes. M'incruster dans ces fêtes de Bourges, tu dis? Non, je fais pas ça. C'est pas mon truc. J'ai rien à foutre là-bas. On m'a surpris en train de trafiquer. Super, tu t'améliores? Non, pas de drogue. Des fausses cartes d'identité de qualité. De toute façon, t'es bien au courant de tout ça, j'ai fait la tienne, Laura. Je m'appelle pas Laura. Ben, sur la photo, t'avais la tête d'une Laura. Si tu ris encore, je ferai de cette soirée la meilleure soirée de ta vie, qu'est-ce que t'en dis? Je m'appelle César, et j'ai l'intention de jamais te décevoir. La fille du métro. Enchantée. Tu t'es déjà accouplée? Avec un truc de genre, je veux dire. Non. Non? Alors viens. Viens. Salut. Ça, c'est mes potes. C'est parti. César? César? Ce soir, mais il est temps que je rentre chez moi. Mais non, il nous reste encore toute la nuit. Tu surveilles? Qu'est-ce que tu fais? On y va? J'ai pas l'intention d'entrer. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Hein? César, tu m'écoutes? Je vois que t'aimes bien t'attirer des ennuis, mais moi non. Je me tire. Hé! Toi, tu vas nulle part. Qu'est-ce que tu fous? César, lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Mais je te connais pas du tout, tu merde. Tu vas kiffer, tu verras. Lâche-moi, César, enfin, lâche-moi. César, c'est vraiment pas drôle, hein. On va tomber, tu te crois malin, hein? Mais sache que... Hé,
C'est pas mal, hein? C'est super beau. Eh ouais. Je vais t'embrasser. Quoi? Je vais t'embrasser. Eh ben, c'est pas mal pour ton premier baiser, hein? Espèce d'abruti. Bon, allez. Sous quel nom je garde la fille du métro? Aucun nom. Oh, elle est mauvaise. Tu vas pas me le dire? Non. T'es sûre? Je suis sûre. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Comment? Mais pour qui tu te prends, César? Lâche-moi! Comment tu t'appelles? Je te le dirai pas. Ah non? Regarde en bas. Regarde en bas. Ça fout la trouille, hein? Comment tu t'appelles? Ben. Comment? J'ai pas entendu. Valéria. J'ai pas entendu. Valéria! Raoul, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler. C'est pas la peine que tu me racontes quoi que ce soit. Félicitations. Hé hey, Ellie et moi, on sort pas ensemble, hein? Ni maintenant, ni jamais. J'ai pas largué Béa pour sortir avec une nana comme Ellie. T'as tort, elle est parfaite. Non, toi, t'es parfaite. J'adore être avec toi. Parler avec toi. Et même si tu penses que c'est con, j'adore le parfum de tes cheveux. Et ta façon de rire. Tu te rends pas compte? Que je veux pas être avec Ellie? Que je veux être avec toi? Désolée. Raoul. T'as passé toute la nuit ici? On a quelque chose à régler, non? T'es cinglé. T'as déjeuné? Ma mère a ouvert le bar. Je t'invite? Non. On prend ton scoot et c'est moi qui invite. Joyeux Saint-Valentin. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Regarde. Mais comment t'as fait pour qu'il te laisse entrer? Bah parce que j'ai pas toujours été un incompris. J'ai même des amis au pôle sud. J'arrive pas à croire que t'as préparé tout ça. Et moi que tu ne me répondes pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a été la nuit la plus longue de ma vie. Et la mienne. Et t'as réfléchi?
J'ai pas à réfléchir. Raoul, les choses sont claires pour moi. Je t'ai envoyé un tas de signaux. Mais quels signaux? Je suis un mec. Les mecs ne comprennent pas les signaux. Ouais, je vois. Joyeux Saint-Valentin. J'aurais jamais pensé que tu dirais ça. Et je le dirai jamais. Enfin, sérieusement. Ouais. T'as fait tomber quelque chose? Viens voir. Regarde, un anonyme. Quelqu'un de la classe. Il dit qu'il est amoureux de moi, mais qu'il n'ose pas me le dire en face. Et alors? Et il a écrit une liste de tous les mecs de la classe. Il veut que je mette qui me plaît et que je laisse la carte sous l'arbre de la cour en fin de journée. Si mon nom n'est pas indiqué, je saurai que je n'ai aucune chance avec toi. T'as écrit sur la lettre? Bah, la vérité. Que je suis amoureuse d'une autre personne. Ah. Bon, écoute, faut que j'y aille. Ben, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, rien. Rien? T'as vu ta tête? Oh, toi, il te plaît, Bruno. Comment ça se fait que je m'en sois pas rendu compte? Vous allez super bien ensemble. Non, je crois pas, non. Esther! Allez, on sprint sur la largeur. Allez, j'ai dit sprinter. C'est super dur le devoir. Et vous deux là? Où t'étais passé? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? J'ai oublié mon portable à la fête. Ok, très bien, il faut que je te dise quelque chose. À vrai dire, moi aussi. Je crise grave, Raoul me zappe complètement, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah qu'il venait de quitter Béa, des tas d'excuses, des conneries. Bah écoute, oublie-le. Depuis quand c'est important pour toi? Bah depuis que je suis amoureuse. J'ai pas arrêté de pleurer tout le week-end. Je fais quoi, Val? Je sais pas, Ellie. C'est toi l'experte pour ces trucs-là. Mais surtout, essaye de te calmer. On en reparle après, d'accord? Deux ans sans se voir et tu continues à être complètement paumée. Tu trembles en plus. Allez, qu'est-ce que tu fais ici? Mes vieux vont pas m'inscrire au lycée avant la prochaine rentrée. Mais je suis revenue pour rester. Qui c'était? Apparence ringarde. Valéria, une copine. Celle-là? Les choses ont beaucoup changé par ici. Ali, on a vraiment passé des bons moments, mais aussi des moments où on était très paumés. Et je ne veux plus regretter quoi que ce soit. Tu me croiras pas, mais je suis amoureuse. Et il t'a brisé le cœur. C'est pour ça que t'es comme ça. La Ellie que je connaissais n'en perdait pas un seul. Elle devrait revenir, je crois. T'excites pas, mec. Écoute, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Après tout, fais comme moi. Tu dis rien et puis c'est tout. Moi, je dirai rien. Ils finiront par s'en rendre compte. Là, improvise, c'est tout. Je culpabilise. Mais on fait rien de mal, t'inquiète pas. Raoul, c'est notre copine. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? J'en sais rien. D'un côté, je crois qu'on devrait lui dire avant que ça se complique. Mais d'un autre côté... je sais pas comment elle pourrait réagir. N'exagère pas. Raoul, Ellie a l'air forte, mais elle a déjà essayé de se suicider. Qu'est-ce que tu fais?
Je lui file un rencard. Tu vas tout lui dire? Non. Mais je veux éclaircir le fait qu'il se passe rien entre elle et moi. Par conséquent, nous serons à même de connaître l'œuvre de Joyce dans tous ses détails. Il y éteint ton portable. Bien. Poursuivons. James Joyce. Allez, 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 allez. Très bien, Esther, très bien. Laisse. Bien. En quatre. Bien, défense. Allez, allez. On construit. Défense. Voilà, on veut, vas-y, soutiens. Bien, bien, très bien. Ouais, serrez le compte, allez. Bravo, bien joué. Bien joué, les filles. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? En manchette, Esther! En manchette! Plus qu'un, la fille! On reste concentré, allez! Laura, chauffe-toi! Esther, sur le banc! Mais enfin, retrouve-toi! Sur le banc! Allez, les filles! Allez! Remonte, allez, allez, allez! D'accord, on a perdu, mais seulement parce que les adversaires ont eu de la chance. D'accord, d'accord, je le reconnais, j'ai été mauvaise. Je comprends vraiment pas ce qui t'arrive. Je te jure que je peux pas faire mieux. Erreur. Au revoir, Esther. D'accord, d'accord, si je peux. Mais j'étais pas bien aujourd'hui. Parce que t'as fait la fête avec tes copains, c'est ça? Non. Hier soir, j'ai fait mon devoir de philo. C'est ça ton problème, Esther. Tu veux tout avoir, il faut choisir. Tu veux avoir de bonnes notes et faire plaisir à tes parents? Génial, boss. Tu veux sortir avec tes potes et faire la fête? Alors sors, mais oublie le volet. Je suis désolée. Je veux jouer. Eh bien, à partir de maintenant, c'est ton univers et je suis ton meilleur ami, Esther. Le seul à savoir ce qui est le mieux pour toi. Mais on n'attend pas Esther? Bon, mais toi tu restes si t'as envie. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Rien, ça veut jamais dire rien. Esther a une aventure avec son entraîneur. T'es déjà tombée amoureuse de qui tu devais pas? Oui. Bien plus d'une fois. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? À vrai dire, j'en ai aucune idée. Salut. Salut. Ça va? Bien, et toi? Très bien. Oui.
On va dans ma chambre. D'accord. Valéria, tu vas pas répondre non plus quand je te parle, c'est ça? Écoute César, l'autre soir c'était sympa, je me suis bien amusée, tu le sais, mais... Je peux te montrer d'autres endroits secrets si tu veux, y a pas de problème. Je crois qu'ils le resteront. Ouais, y a un mec dans le coin, c'est ça? J'ai un copain. Bon, je suis pas jaloux, hein, pour info. Tu sais quoi? Voilà ce que je vais faire. Je t'enverrai un message par jour jusqu'à ce qu'on meure. Et si je meurs avant toi, je dis à un pote de l'envoyer pour moi. Non, 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 César! Allô? T'es trop bonne! Ah, super! T'es pathétique! Dis pas de conneries, c'est dans la poche! Oh. Maman, je suis en train de bosser! Actuellement, je suis toute petite et imparfaite. Mais je te promets que quand je serai grande, je ferai les plus jolies fleurs du monde. Pourquoi t'as pas répondu à mes messages? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ellie? Rien. Raoul, je connais Ellie. Rien de chez rien. Rien de chez rien. Je lui ai dit que je préférais qu'on reste copains et voilà. Pourquoi? On peut pas faire ça. Sans devoir se cacher. Qu'est-ce que tu fais à Pâques? Qu'est-ce que c'est que ça? Le sac de voyage que tu m'as offert? Non, non, ça j'ai remarqué. Et où est-ce que tu crois que tu vas? Martin, l'éducateur, a organisé une sortie camping. Mais tu m'avais promis que tu m'aiderais au bar? Je sais, mais il y a tellement de week-ends pour t'aider et tellement peu d'occasions de faire du camping avec eux. Tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux, tu le sais, non? T'es génial. Arrose la plante! Fiche-moi le camp! Allô? Val! J'ai des invites pour aller au boulot. Ellie, je peux pas, je vais à la campagne avec mon père. Pourquoi t'invites pas les copains? Vous êtes gonflant. Ouais. Bon, on se voit quand je rentre, d'accord? Bisous. Je te l'avais dit. Je me sens trop mal. Ben, c'est fini, les portables. Seulement toi et moi, on se le mérite, non? Bon, faut qu'on se dépêche, on va arrêter le train. T'inquiète pas pour ça. Mais si, j'ai regardé les horaires, on est en retard. On part en voiture. Comment ça en voiture? T'as pas le permis? Non, moi non. Mais lui ici. À dimanche.
ça, c'est pour nous ? Tout. Viens. Mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais riche ? Parce que je le suis pas. En fait, c'est mes grands-parents qui le sont. Ils ont des hôtels, des centres de loisirs, le zoo. Viens. Je savais que t'aimais le ciné, mais pas autant. Je veux être réalisateur. T'es sérieux ? Pourquoi t'en as jamais parlé ? Pollo. Facile. Il pollo si serve intero. No, ci sono le uova. Est-ce que je peux te poser une question ? Chut. T'es mignon, intelligent, et en plus t'as de la thune. Pourquoi l'éducateur ? C'est ma mère qui m'a obligé. Parce que je ressentais un vide dans l'estomac. Quand est-ce que t'as commencé à ressentir ça ? Quand mon père est mort. C'est l'homme qui est avec toi sur ton profil ? Ça a été la dernière photo qu'on a prise ensemble. Il est mort jeune. Un soir, il est sorti. Et 2 heures après, le téléphone a sonné. On nous a dit qu'on avait retrouvé sa voiture détruite. Et qu'on n'avait rien pu faire pour le sauver. Il avait des problèmes d'argent. Il a failli ruiner l'entreprise de mon grand-père. Et 2 mois plus tard, on a reçu les indemnités de l'assurance. C'était pratiquement la même somme qu'il avait perdue avec son investissement. Et les réunions qu'on a t'ont aidé à remplir ce vide ? Non. C'est toi qui m'as aidé. Chaque fois que je te voyais, cette sensation disparaissait. C'est pour ça que j'ai quitté Béa. Et c'est pour ça que j'ai attendu sur le banc devant ta porte. Tu veux que j'arrête ? Aucune idée. On peut patienter tout le temps que tu veux. Oh!
Bonjour, ma princesse. Chez toi si tu veux. Non, je veux pas que ma mère nous chope. Elle croit qu'on était avec Martin. Donne. Tiens. Bon ben. C'était un super week-end. Tiens. Un week-end vraiment parfait. Oui. Votre père serait vraiment fier de son fils. Vous voulez que je vous dise? Votre père s'est déclaré à votre mère dans cette maison. Le premier « je t'aime » ne s'oublie jamais. Super. Et les tourtereaux? Comment ça, les tourtereaux? Ta mère m'a appelé pour confirmer qu'on était avec Martin. Et merde, elle m'a rien dit du tout. Mais t'inquiète pas, j'ai compris la situation. Je suis rentrée dans son jeu et j'ai dit que oui, qu'on était tous là. Merci beaucoup. De rien. Esther, il faudrait pour l'instant que ça reste secret. Pour Ellie, c'est ça?
pas de problème. Ce soir, il y a club, non? Ouais, mais je crois pas que je pourrais. Bon, en fait, à partir de maintenant, je pourrais plus venir autant parce que la finale du championnat approche et on doit s'entraîner. Arrête, fais pas chier, tu dois venir. Oui, j'essaierai, mais... Bah, je vous garantis rien. Ciao. Bon, les autres, ce soir sur la terrasse? Bon. À tout à l'heure. Ciao. Ok, salut. On a que 3 minutes de retard, non ? Il y a pas de problème. Esther ! Esther ! T'as un instant, là ? Je suis pressée, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, en fait, l'autre jour, j'ai vu comment ton entraîneur te traitait et... Non, y a pas de quoi s'inquiéter, Rodrigo est sympa. Bon, mais dans ce cas-là, à vrai dire, je me suis inquiété, d'accord ? Et j'ai posé des questions. Posé des questions à qui ? Et donc, il est pas réglo. Bruno, arrête d'inventer des choses sur... Non, c'est que il a déjà eu des problèmes avec d'autres filles. Quoi ? Ouais. Dans la dernière équipe où il était, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Bruno, je sais que c'est toi la carte de la Saint-Valentin. Alors arrête d'inventer des histoires sur Rodrigo parce que je sortirai pas avec toi, ni maintenant, ni jamais. Tu peux entrer ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici ? On pourrait te voir. Je viens féliciter ma joueuse préférée. J'ai bien joué, hein ? La meilleure. Non. Qu'est-ce qui t'arrive ? Non. Pardon, pardon. Il y a des fois, j'oublie que t'es trop jeune pour moi. Non. Si, t'es trop jeune, regarde-toi. C'est pas grave, hein. T'es qu'une gamine. Sérieux, vaut mieux en rester là. Non, non, t'en vas pas, Rodrigo. J'ai seulement besoin que les choses se fassent autrement. S'il te plaît, non. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Je te dis non ! Esther ! Esther ! Reviens tout de suite ! Et c'est là comme avant. Ah, ah, Val, allez, c'est oui, ton tour. Allez. Ah, putain. Arrête ! Souffle pas comme ça. Aïe ! Putain. Faut que je vous dise quelque chose. Ouais, bah, tout à l'heure. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais... Non. Ah, Esther ! C'est à qui le tour ? Bah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah.
Bruno, je pars par là. Je rentre chez moi, d'accord. Je te jure que je brûle d'envie de savoir ce qui lui est arrivé à elle. Elle le dira quand elle sera prête. Je croyais qu'on était copains et qu'on se racontait absolument tout. Il y a des fois où il vaut mieux garder ses secrets. Il faut juste trouver le meilleur moment pour les révéler. Ah oui ? Bah alors tu voudrais pas savoir comment va mon histoire avec Raoul ? Écoute. Sur Raoul, il y a des choses que tu devrais savoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Toi aussi tu crois que je vais le perdre ou quoi ? Moi je crois pas du tout. Je sais si je plais à un mec à sa façon de m'embrasser. Et dans ma chambre, ça s'est confirmé. Il t'a embrassé ? Plusieurs fois même. Et ça sera pas la dernière fois. Ciao. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es sortie avec Elisabeth chez elle. Non. Je te dis que non ! Valéria ! Écoute-moi ! Je te dis que non ! Ça a été qu'un baiser ! Deux, je te jure ! Pourquoi tu me l'as pas dit ? Ben pour éviter ça ! Moi j'ai confiance en toi. Ouais, super. Choisir entre ce qui est mauvais et ce qui est pire. Entre le mensonge ou la vérité la plus cruelle. Décider implique le sacrifice de beaucoup de choses. Décider entre rester et souffrir ou partir et vivre. Je ne veux plus souffrir. Vous savez, on dit que quand on est enfant, on croit qu'on est le centre de l'univers. Et que c'est à l'adolescence qu'on se rend compte qu'en réalité, on est tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Écoutez, l'année se termine. C'est notre dernière réunion. On a bien progressé ces derniers temps, non ? Hein ? Il y a des fois, plus tu connais de gens, plus tu te sens seul.
Raoul ? Moi, j'en resterai là. Bon. Eh bien, on en reste là. Même si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, je voulais vous dire que... que pour moi, ça a été un plaisir de vous connaître et de partager ces réunions avec vous. Bien. Un petit instant, Martin. Ben, merci beaucoup pour tout. À toi, Bruno. Que personne ne te fasse douter de ce que tu vaux. Je m'en vais. Je m'en vais vivre à Barcelone. Avec mon père. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'un changement d'air me fera du bien. C'est pour ça que t'étais aussi triste ? Et pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Tu pars quand ? J'ai mon billet, je pars vendredi. Si tôt que ça ? Bon, mais tu vas pas te mettre à pleurer, hein ? Les larmes, c'est pour la fête d'adieu. Mais vous savez parfaitement que je déteste. Je déteste les adieux. Ben, t'échapperas pas à cela, on t'accompagnera à la gare. Je pensais que t'avais un petit ami. Moi aussi. Il t'a largué ? Non. C'est toi qui l'as largué. Tu me donnes un peu de ça ? Tu vas voir, c'est vraiment pas bon. Ici ? Tu peux pas, ça te fait peur ? Moi ? Fou ! Qu'est-ce que vous faites ?
Raoul, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu payer l'amende. Esther pouvait pas sortir aussi tard. Je voulais pas te déranger, je te rembourse dès que je peux. T'inquiète pas pour ça. Ça va? Raoul? Tu me ramènes chez moi? Valeria! Valeria! Comment ça va? Dégage! T'as rien dit à la police? Fous-moi la paix! Mais dis-moi juste si t'as des nouvelles de Pipo! T'avais qu'à rester avec lui! Tu sais pas de quoi tu parles, ça aurait été genre des problèmes beaucoup plus graves que les tiens! Mais ça aurait été très compliqué! Elle veut pas te parler! Ne touche pas! César! Je vais te casser la gueule, César! César! Putain, lâche-moi! Arrête! Bouge de merde! Arrête, César! Arrête, non! Arrête! Tu peux pas t'occuper de tes oignons! César! Tire-toi de là et croise plus jamais mon chemin! C'est qui ce connard? C'est une longue histoire. Ouais, ben j'ai toute la nuit devant moi. Ça fait mal? Plus mal que tous les coups. Arrête. Pendant qu'on était ensemble, je suis jamais sortie avec lui. Je répondais même pas à ses messages. Mais ce soir, j'avais besoin de respirer et j'ai merdé. Il te plaît, ce type? Non. T'en vas pas! Tu crois qu'on pourrait revenir en arrière? Comme si rien ne s'était passé? Non. Je peux pas faire comme si cette soirée n'avait jamais existé. Je peux pas arrêter de penser que t'étais avec un autre mec. Je veux pas faire marche arrière. Maintenant, je sais ce que je veux. Et c'est toi que je veux. Demain, on ira parler à Ellie. T'es sûr? J'en ai plein le dos de me cacher. Sur quelle voie? Bah sur la... sur la voie 8. T'es sûre? Parce que des fois, ils changent et peut y avoir une erreur. Oui, oui, d'accord. C'est vrai ça. Mary, tu devrais... Peut-être qu'il a du retard. Hein? Oui. Vas-y. Vite, la voiture.
Mary, retourne-toi. La dernière réunion de notre club des incompris. Mary! Allez encore! And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. The lights go down, we know what we heard. So the lights go down, giving up to the world. But the lights go down, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Vous savez que j'ai jamais trop aimé parler. Et je sais pas si je parlais pas parce que j'avais pas de copain ou si j'avais pas de copain parce que je parlais pas. Mais de toute façon, ça n'a plus d'importance parce que maintenant, c'est vous mes copains. Et même si maintenant, je serais un petit peu plus loin de vous, je vous jure que je vous oublierai jamais. Je vous aime, les incompris. Vous m'accompagnez? Nous, on reste ici, on va ranger. D'accord, alors Mary, c'est par là. Tu vas chercher Jesus? J'ai toujours voulu appeler un chauffeur. Alors, t'as fini de faire la bouffonne avec cette bande de nazes? Qu'est-ce que tu fais là? On va faire la bringue? Oublie-les, ces casse-pieds. Alice et mes copains. Tes copains? Ils se foutent de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me dire que tu t'es pas rendu compte de comment ils se regardent? T'es aveugle ou quoi? Raoul et Valéria sortent ensemble. Bande d'enfoirés! Comment vous avez pu? Comment? Ellie? Si on t'a rien dit jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on pensait que tu finirais par oublier. Je suis la putain du lycée qui s'en fiche des mecs sans plus, non? Ellie, je t'en prie. Je pensais que t'étais ma copine. On peut en parler? S'il te plaît. Je crois qu'on a plus grand chose à se dire. Alicia avait raison. Elle, ouais, c'est une vraie copine. I'm only human, and I crash and I break.
avant qu'il ne soit trop tard et lance-toi. Impossible. De toute façon, la réponse aurait été non. Eh ben, peu importe si la réponse est non. Hein, Mary, demain tu seras plus là. Ça t'enlèvera une épine du pied de savoir ce qui aurait pu se passer. Je peux pas. Appelle sa mère, elle devrait être au courant. Allô, c'est Valeria, la copine d'Elisabeth. Bonjour Valeria, ça va? Eh ben, j'essaie de joindre Ellie, mais elle décroche pas son téléphone. Vous auriez le numéro de sa copine? Alicia? Alicia? Oui, sa copine. Est-ce qu'elle vous a parlé d'Alicia dernièrement? Oui, elle vient de le faire. Oui, mais où ça? À l'endroit où elles se sont quittées la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai été conne? Tu t'as menti, Ellie, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Tu m'as pas laissé tomber, toi. Je vais parler à mes parents, ils peuvent pas m'obliger à plus de voir. Ils finiront par nous séparer, Ellie. Ils y sont déjà arrivés, non, ils recommenceront. Non, il n'y a qu'une seule manière de rester ensemble. Pour toujours. Pourquoi pas? T'es amoureuse de l'enfoiré. Ta meilleure copine est une salope et tes parents me détestent. Ils me détestent. Tu le sais bien. Raoul, sa mère avait raison. Elle est sur le viaduc. Viens avec la bande. Fiche-moi la paix! Si tu sautes, ça lui pèsera sur la conscience le reste de sa vie. Tes parents m'ont tout raconté sur Alicia. Mes parents détestent Alicia! Non, Ellie, ils la détestent pas! Parce qu'elle a jamais existé. Non, non, je suis pas tarée. Tu es malade et ça peut s'arranger. Personne ne te comprend comme moi. Personne ne prend soin de toi comme moi. Non, Ellie. Ellie. On est amis. Et on sera des amis pour toujours. Ellie, n'écoute pas! Ah.
faire ça! Tu peux pas nous faire ça! S'il te plaît. Ellie! Ellie, on est tous tes copains. Mademoiselle la parfaite. Et la mauviette. Et la Zorbi. Le glandeur. Et la paumée. Tu sais peut-être qu'on est tous des incompris. Mais entre nous, on se comprend bien. Tu es malade, mais on va t'aider. Peut-être l'étape la plus courte de notre vie. Mais c'est sans doute la plus intense et la plus palpitante de toutes. Ce soir-là, on était tous prêts à se dire adieu. Convaincus que c'était la fin d'une étape incroyable de notre vie. Mais on s'est bien plantés. Ce soir-là, c'était le début de tout. Mary est partie à Barcelone. Et elle a eu la force de faire la chose qu'elle souhaitait faire depuis très longtemps. Être elle-même. Mais c'est pas la seule qui soit partie. Il y a des fois, s'éloigner est l'unique manière de recommencer. D'autres fois, il suffit seulement de regarder autour de soi pour se rendre compte que ce qu'on cherchait était là à portée de main. Il suffisait d'ouvrir les yeux et de lui donner une chance. Parce que pour réussir quelque chose, il faut prendre des risques. Une chose que j'ai appris durant cette époque, c'est que l'amour, c'est comme la première page d'un livre. On sait comment commence l'histoire, mais pas comment elle se termine. Parce que, heureusement, il manque le meilleur. La vivre. Thank you.
dynamite.